rencontrer Larry Bird, joueur vedette des Boston Celtics, c'était mon rêve. Mais il s'est vite transformé en cauchemar. Et moi et toute l'équipe allons devoir sortir notre meilleur jeu si nous ne voulons pas que ce match soit notre dernier. Quand je suis devenu Captain N, j'ai eu du mal à croire que j'étais vraiment dans Vidéoland. Mais depuis que j'y suis, je vis des aventures fantastiques. J'ignore si je rentrerai un jour, tout ce que je sais, c'est que je suis accro. Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super Mario World. It's a blast from the past. In Super Mario World. It's a blast. Non mais tu as vu ça? Ces pauvres hommes des cavernes travaillent beaucoup trop dur. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour leur faciliter la vie. Ah oui? Et quoi par exemple? Rien ne me vient à l'esprit pour l'instant. Attends voir un peu. Ah ça y est, j'ai trouvé. Tiens-le bien Luigi. C'est une bonne idée que tu as eue là, Mario. Je n'y aurais jamais pensé tout seul. En fait, c'est justement l'idée qu'il me fallait pour conquérir la ville du dôme. Combien de roues est-ce qu'on va devoir encore découper? Je suis épuisé. Tiens, commence par en prendre 5. Ah, c'est beaucoup trop lourd. Bon, ben n'en prends que 2 alors. Oups. Allons les distribuer aux autochtones. Hey, Ouga, Oga, tenez les gars, voilà pour vous. Ça vous évitera de vous esquinter le dos. Oh, tchoukoum tchoum. Oh, mais non, servez-vous de vos têtes. Ah, Ouga Bouga. C'est pas vrai, ils comprennent rien. S'ils ne veulent pas du progrès, tant pis. C'est Yoshi qui va en profiter. Non, gars, je te vois venir. C'est pas une tapette à mouche. Oh, gars, plate. Je vois. Bon, attendez, vous deux. Ne bougez pas. Dis-moi, Luigi, est-ce que tu aurais une fleur de feu à me donner? Bien sûr, une seconde. Merci. Et voilà le travail. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un bout de bois pour faire les essieux. D'accord. Et donne-moi ça, espèce de glouton. Non, moi encore avoir faim. Et moi qui pensais être un éternel affamé, j'avoue, Yoshi, que tu m'impressionnes. Il suffit juste d'un peu de savoir-faire à la New-Yorkaise. Oui, et aussi d'avoir le sens de l'équilibre. Ah, quelle merveilleuse invention. Ouga, Ouga, Luigi, ga. Regardez ça, je fais même des figures. Moi, Luigi, avoir l'air d'amuser. Et attendez aussi. Non. Ouga, Ouga. Nous y sommes. Voici notre chaîne de montage de Préhistomobile. Si nous arrivons à tenir cette cadence, dans très peu de temps, tous les hommes des cavernes seront équipés de ces véhicules. Croyez-vous qu'ils soient prêts pour un tel changement? Bien sûr. Et puis, il fallait bien que le progrès les rattrape un jour. Regardez, Yoshi s'occupe du châssis et des trains roulants.
Ensuite, Flouga prend le relais et installe le siège. Le châssis passe alors à l'emboutissage. Qu'entendez-vous par le châssis? C'est assez technique, je vous expliquerai ça plus tard. L'étape suivante est très importante, c'est la pose du compartiment moteur. Je vois, et le moteur, justement, qu'est-ce que c'est? Un Goomba, tout simplement. Il suffit de le placer à l'intérieur de son compartiment, d'appuyer sur la pédale et en avant. Oh, regarde! Waouh, ils ont même un klaxon. Oh non, ça, c'était pas le klaxon, c'était le conducteur. D'accord, enfin bref, je crains quand même qu'il ne soit pas encore tout à fait prêt. Mario, avant de leur donner des véhicules, on aurait peut-être dû leur expliquer le code de la route. Ne t'inquiète pas, ils vont l'apprendre par eux-mêmes et ensuite ils nous remercieront. Merci à vous les frères Mario. C'est en m'inspirant de vos roues en bois que j'ai trouvé l'idée de ma prochaine invention. À ton tour d'aller régler la circulation, Mario. Et explique à Yoshi que les panneaux stop, ça ne se mange pas. Il faut faire quelque chose, c'est une vraie foire d'or. Et moi qui pensais qu'avec le temps les choses allaient s'arranger. Oui, au contraire, c'est de pire en pire. Mario, je crois qu'ils nous en veulent. Allons, allons, il faut qu'ils comprennent que les embouteillages font partie du progrès. Et puis de quoi t'as peur? Qu'ils nous exilent au fond du volcan? Bon, d'accord, ils nous ont jetés dans le volcan, et après? Grâce à ma nouvelle invention diabolique, aujourd'hui nous allons conquérir la ville du dôme. Et demain, le monde. Formidable, je suis fier de toi. C'est quoi au juste? Un méga mécanosaure. Mais moi je l'appelle Gros Dino. Regarde ça. Aucune fortification ne lui résiste. Et maintenant, en avant. Justement, comment il se déplace? Grâce à un système ingénieux de dinosaures et de poupées. Attention, je démarre, poulette. N'oublie pas d'attacher ta ceinture, ça risque de secouer un peu. Mais où t'as mis une ceinture? C'est pourquoi? Ouga Bouga Mario Luigi! Vous voulez que Mario et Luigi reviennent? J'ignorais qu'ils étaient partis. Ouga Mario Volcano Gogo! Vous les avez exilés au fond du volcan? Ouga Flouka Koupa Poupa! Mince alors! Très bien, je m'en occupe tout de suite! Heureusement qu'avant de te faire capturer, tu as pensé à prendre une pizza. Ah, c'est un message de la princesse. Écoute. Qu'est-ce qu'elle dit? Clang, 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 clang. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est du morse? Oui. Et ça dit, rentrez vite, les hommes des cavernes ont besoin de votre aide pour chasser Bowser et Ludwig von qui les ont attaqués. Ah bon? Au secours! Que quelqu'un nous sorte de là! Mario, attrapez! Occupe-le, Luigi! Accroche-toi, frérot! On décolle! Dis donc, tu peux pas ralentir un peu?
Ralentir ? Oh ! Pas pour l'instant, désolé. Je dois finir de construire mon autoroute. Alors, voyons si on n'a rien oublié. Les rondins de bois ralentisseurs. C'est bon. Les feux tricolores. Les feux, c'est bon. Les barrières de passage à niveau. C'est bon. Et les nids de poules. Ah, les nids de poules. Ouga bouga, Yoshi paraît à l'attaque et très affamé. Everything is ready for the battle. Qu'est-ce que tu proposes maintenant, petit génie? Ben, je sais pas, moi, attache ta ceinture! Tu sais, je pense qu'avant de leur faire découvrir la roue, on devrait attendre encore quelques années. Je dirais même quelques milliers d'années, au minimum! Beep.